Bah donne-lui son bigot. Tant pis, rends-lui son bigot à lui. Il a le numéro 3, il a le numéro 3. Non mais c'est bon, vas-y, donne ton... Mais je te donne ton... Mais comme ça, il peut appeler ses gars. Vas-y, tiens, je te donne ton téléphone. Vas-y, ramène-moi 50 000 parce que j'ai 300 000 juste pour vous, là. Bah, vous allez essayer de me... Maintenant, je vais vous... C'est bon ou pas? Vas-y, toi, les deux, vous allez bien avec nous dans la voiture. Allez, montez, dépêchez-vous. Eh, chef, on n'est pas les Avengers. Oui, bah, les pauvres Avengers, là. Ça marche, monsieur. Ce sont des personnes hautement recherchées dans le Nord. On a monsieur Olivier Freeman, Edward Payer et Owen Rodolphe, d'accord? Les prix sont indiqués, 250 000 pour les deux extrémités et la cerise sur le gâteau, le gouverneur... Monsieur? ...pour une totalité de 1 million de dollars. Hop, on pas perdu quand même. Ils sont là. Ok. Je vais où? Voilà, pas il a arrêté. Rien, tu vas rester derrière nous, tu connais. Hein. Viens. Ok, attends, on se met bien. De toute façon, on va rien te faire. Si tes gars ils tentent pas un truc bizarre, on va rien non, te faire. Non, non, il a gars. Vous calmez, c'est simple. Arrête de parler, arrête de parler. Vos gars ils font un truc. Adnan, faites-le là, c'est. Il a dit, les gars, il a dit que Zach est arrivé avec un gars lui qu'il allait rien faire, il allait juste nous proposer un truc, c'est tout. Ouais, doucement, doucement, fais attention. Baisse, 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 baisse. Tranquille, tranquille. Bon, on t'écoute, Zach, tu voulais parler. Ah ouais. Croyez aussi, mais avant de faire tout ça, du coup. Ok. Moi j'avais on avait une petite annonce à vous faire. Bon, on va vous la faire maintenant, un peu précipité malheureusement. Nous allons quitter la rue. Quoi? Ah bon? On retourne à New York aussi? Non, on va pas retourner à New York. C'est quoi alors? On va dire qu'on va continuer dans les affaires, mais on va faire ça. Comment je pourrais dire d'une autre manière? Vous allez grandir. Ouais, c'est ça, t'as tout compris, Adnan. Ok, pas mal, pas mal. Et donc, c'est plus, c'est fini les petits gangs de rue, quoi. C'est fini les petits gangs de rue, ouais. Ah, de quoi, maintenant ouais. On est une organisation, Adnan. Et comment ça se fait? Ça rigole pas. Comment ça se fait? Ça se fait que, la mort de Bishop, on va dire, on est l'élément déclencheur. Hein. Yeah. Je ne vais pas vous mentir. Donc, donc on allait quitter la rue, on va quitter la rue hein, même, ça s'est passé. Ok, allez, on passe au regard. On avait des trucs à vous proposer, avec ce qui va se passer à l'heure actuelle. Ça va être un peu plus compliqué. Eh, voilà, tu m'as énervé toi. Ah ouais, après, il a le sang chaud. Zach, j'ai envie de te dire, chaud, hein. tu dis que tu voulais proposer des trucs, mais c'est vous qui étiez prêts à nous faire en sorte qu'on perde, on ait des percées nous quoi, t'as capté? Ouais, je suis d'accord. Donc c'est l'élément déclencheur, c'est vous, ça, hein. C'est vous qui avez allumé l'étincelle, tu vois. Oui, la mèche. Mais après, si on part du moment, elle est longue la mèche. Hein, ouais, mais après, non, mais si l'histoire, elle était par rapport encore à Reyes, je t'aurais dit, je te donne raison. Mais là, ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est Bishop, c'est sa femme, oui, ça n'a rien à voir avec. Je suis d'accord. Ça n'a rien. Oui, mais après, malheureusement, Nan, toi et moi, on est prêts à tout pour l'argent. Hein. Tu aurais eu la même mission, tu l'aurais effectué aussi. Je te promets que non. Doucement. Je te promets que non. Je te promets que si, genre, je suis en bon terme avec toi, je t'aurais dit, écoute, je te poucave pas, mais j'ai trouvé un argent avec toi, tu vois. Mais à aucun moment, je t'aurais livré, tu vois. Ok, mais dans ce cas-là, mais William ne m'a proposé à aucun moment un arrangement. Ouais, mais pourquoi vous avez appliqué William, t'as vu, on est... Ouais, attends, oui, parce que l'ancien voulait entrer par... Ah, parce que t'as pas compris quoi, j'aime l'ancien, il aime bien. William. C'est mon gars, c'est moi si je dis un truc. Maintenant, la prochaine fois, vous voulez dire un truc à un des pops, demandez à tout le monde de venir, d'accord? Arrêtez de dire ça, parce qu'à chaque fois qu'il y a... à chaque fois que ça appelle une personne, ça part toujours en cacahuète, t'as vu? Ouais, mais c'est pour ça que hier j'avais un truc à vous proposer, les gars, j'ai appelé tout le monde d'ailleurs. J'ai appelé Jamal, il m'a pas répondu, j'ai appelé William, j'ai appelé Adnan. Je m'appelais moi, je suis toujours là, j'ai pas de... Attends, je t'ai encore dit l'avocat, c'est moi le chef, poteau, tu m'appelles pas moi. Je te jure, je crois que je t'ai appelé hier, attends, je regarde. Tu m'as pas appelé. Vas-y, donne mon numéro, moi, tu m'appelles, je réponds, j'ai pas d'amis. Attends, j'ai ton numéro, toi. Le numéro, en vrai... En fait, j'ai appelé... merde, excuse-moi. J'ai appelé Jamal, Adnan, William... Attends, viens Adnan. Bref, non... Bref, vas-y. Moi, je pense qu'il y a un monde où on laisse tomber les 50 000 et on voit si on peut faire du bisaké, non? Bah, s'il passera, les gars... Je proposais 50 000 pour balancer les pops, poto. Donc, non, tu vas me donner mes ça. Je proposais pas 50 000 pour... Pourquoi on change de discours? Vas-y, donne-moi les Attends. Va écouter ce que Jamal va te dire. Entre nous, vous aurez proposé quoi, alors? Vu que maintenant, vous avez, on va dire, step up, t'as vu? Vous êtes plus des mecs de rue, toi. Je vais pas te mentir, on va devenir...
on va passer du coup. On a été vendeur, on a été refourgueur. Ouais, et maintenant tu devines la suite. Parce que si maintenant il y a un intérêt justement de d'être en bonne entente avec vous, parce que tu te rappelles récemment, on a fait une discussion. Ouais. On avait discuté avec vous là à côté du musée, je sais pas quoi là. Et on avait dit c'est bon, on arrête les bêtises, nanana, on se met d'accord, on repart sur des bonnes bases. Il y a plus de coups bas ou des trucs comme ça. C'est vrai ou pas? Tu te rappelles? Oui, mais on avait dit Oui, vas-y. On avait dit on n'avait pas trouvé un accord parce que comment ça s'appelle? Parce que vous vouliez. Ouais, on fait ça qu'à notre vie quoi, tu vois. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que genre en mode il y a pas de galère, pas de truc. Donc ça vire à ce que vous avez fait hier, c'est vous qui avez relancé les hostilités. Oh, avant-hier. Ouais, ouais. Donc ouais, tu comprends que. Si tu me parles maintenant du truc de Reyes, c'est maintenant c'est du passé, on avait tourné la passe, non? Non, mais je n'ai pas parlé du truc de Reyes dans ce sens-là, mais j'ai parlé du truc de Reyes dans le sens où tu me parles de... Ouais, j'aurais pu mourir. Attends, pourquoi il y a une voiture avec... Regarde, l'avocat, moi j'ai un truc à te proposer. Non, il n'y a pas de truc à proposer, vas-y, envoie les 50 000. Vas-y, ça tourne en rang. Vas-y, envoie-moi les 50 000. Viens, faire pas de temps, frère. Juste, Troy, avant de prendre les 50, juste, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu vas nous apporter là en grandissant. Tranquille. Du coup, comme vous le savez, on va passer comme j'ai dit de vendeur à fournir. Enfin. Et tu fournissais déjà bien avant quand tu étais dans la rue. Tu m'as dit quoi? Tu fournissais bien de la bleue avant. Non, mais là, c'est nous-mêmes on va la faire la bleue, Anan. Petit frère, vraiment, ils servent à rien. C'est nous-mêmes qui allons la faire la bleue maintenant, Nan. Yeah. Et il n'y a que de la bleue. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien d'autre. Ah, laisse-nous le temps. Ok. Laisse-nous le temps. Bon. Mais bien sûr que. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'aurais pu travailler avec vous, mais après, le boss, c'est le boss. Tu vois, toi aussi, l'ancien, je comprends pas comme t'as dit. Tu vois. Moi. Eh, les gars, ça tourne en rond, ça ronfle. Eh frère, moi j'ai dit, je respecte la décision du boss. Maintenant le boss il dit ça. Ouais, mais Troy a décidé, je vais donner ça comme ça. Mais même, il a raison, oui. Peut-être dans le futur. Non, il y a dans le futur, on retravaillera ensemble. Non, jamais, William. Ah ouais, tu penses à quoi dans le futur? À partir du moment où je donne ces 50 000, t'as vu, je n'aurai pas le temps de revenir chercher ces 50 000 ou quoi que ce soit, mais il n'y aura plus jamais rien entre vous et nous. Ah ouais, tu tires une croix. Tu vois ce que tu viens de dire à Adnan là? Oui, mais je l'ai dit. Du coup, Troy, si jamais, nous allons devenir à l'heure actuelle des... Ouais, organisation, et du coup, j'ai entendu, vous allez vous occuper vous-même de votre... Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui me dit quoi? Que vous allez faire affaire avec moi, poteau? Vous essayez de me baiser de 5 fois, frère. Moi, je te vois pas l'avocat. Regarde, l'avocat, moi, je t'ai parlé très sérieusement. Les seules fois où on a parlé, est-ce que je t'ai mis un coup dans le dos? Est-ce que, ouais, William, il a fait des trucs bizarres, on s'en bat les couilles, c'est pas mon dos. Okay. Faut arrêter de penser que Willem c'est les pops tout le temps, frère. Ah, lui il a fait des trucs bizarres, c'est pas. Eh, écoute-moi, attends. Le truc c'est quoi? C'est que tout le temps, tu nous fais des trucs bizarres, poteau. On fait des transactions avec toi, mes gars ils sont pétés. On fait ça avec toi, mes gars ils sont pétés. Là tu proposes quand même 50 000 à Willem pour qu'il balance le groupe, poteau. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est? Et là tu me dis, là écoute-moi, ce que tu viens de me dire, c'est quoi? C'est que il y a deux jours tu proposes à Willem de nous balancer. Le lendemain t'appelles de Jamal pour faire affaire avec nous. C'est dire quoi ça, frère? T'as dit que c'est l'ancien qui avait proposé ça, non? C'est tu prends bien des sous avec mes gars, tu décides de balancer mes gars, et là maintenant tu veux faire affaire avec moi, frère. C'est logique un peu, poteau. Donc vas-y, donne-moi les 50 000, on est jamais ensemble. Je suis prêt à tout pour l'argent. On fait plus affaire. C'est quoi? Tu fais des coups dans le dos comme ça, je suis une salope. Donne-le à Troy. Viens, Troy, viens en face de moi. Elle sort rien de bizarre, hein. T'inquiète, je vais ça. Ouais, t'inquiète, on sait jamais, T'es parano, t'es un petit clown. T'es un petit clown, toi. Y'a rien. Vas-y, laissez-les partir, on bouffe. Attends, moi j'ai un truc à faire. C'est lui le petit bâtard qui parlait mal, les gars. Non, il a déjà, c'est bon, il a déjà été puni, c'est bon, stop. C'est bon, vas-y. T'inquiète. C'est lui, bah non, mais les gars, c'est ouf ou quoi? Oubliez pas que ça m'a rasé la tête, moi. Vas-y, fais-le. Fais sauter ta casquette. Vas-y, prends-le dans la voiture. Vas-y, prends-le, les gars, c'est des ouf, quoi, ça m'a rasé la tête. C'est bon, on s'en bat les couilles, vas-y, les frères. Ouais, on a pris ce qu'on voulait, c'est bon, ils voulaient nous 50 000, on prend 50, c'est bon. Wesh, les gars, wesh. Attends, derrière, y'a Bolly. Et il va partir avec ça, c'est bon. En fait, si on avait pas pris la moula ou des trucs comme ça, je t'aurais dit fais-toi plaisir. Maintenant qu'on a fait ça, on reste sur nos accords. Ah non, parce que tu racontes, il avait pris les sous qu'on a eu sur nous, plus il m'avait rasé la tête. Ouais, descends, oui. Mais ça, c'est par rapport au truc de Reyes que t'as balancé l'info, rappelle-toi. T'as été poucave. Tu sais qu'en fait, c'était soit tu crèves, bah soit un des pops meurt, soit il faisait ça.
Bah, vas-y, je préfère limite qu'il fasse ça qu'un des pops meurt, tu vois. Vas-y, au calme, c'est pas grave. Tranquille. Dans tous les cas, Dan, on a pas besoin d'eux. Hein. On a ah, mais moi, tranquille, hey, moi j'ai dit. Écoute, moi j'ai dit, ils respectaient ta décision, tu vois. Dans le sens, tant que c'est cohérent, tant que tu vois, c'est normal. Là, ils ont essayé de nous bénir, ouais, t'as demandé 50 000. En fait, ça n'a aucun sens. T'aurais pu demander plus, tu vois. Faire business avec nous, frère, ça n'a aucun sens. Ah, mais en fait, ils voulaient dire quoi? Qu'ils voulaient nous proposer de la blue, tu vois, ou un truc comme ça. Moi, j'ai donné mon point de vue et il veut pas. Ouais, c'est bon, bah bref, pour moi, c'est juste. On dépose les gars. Pour moi, c'était un bon bail de bosser avec Ghost Dog. Non. Ah, la vérité, à chaque transac avec lui, on se faisait péter, frère. C'est donc, c'est la cove. Hein. Oh, mais t'inquiète, moi, c'est là-bas. Vas-y, tout à l'heure, t'as boudé ou pas? Quand? Bah, pour la coupe du cheveu. Non, je m'en bats les couilles, juste, je voulais faire mon bail. Mais tu préfères. Non, mais tu préfères pas la faire genre à Ghost Dog même, le mec, il lave jamais les cheveux? Non, parce qu'il doit faire. Il m'a prévenu, il m'a dit, il me fume si je fais ça, t'as vu. Il me fume. Ah, ouais, c'est sûr. Ça te dit quoi, la petite frère? Les gars, ouais. Vas-y, les 20 casquettes, les 20 casquettes. Allô? Les frontières sont fermées là, c'est comment vous êtes où? Ah non, on est en Pacific Bluff là, on est posé à la loc là. Tu vois où il y a les petites soirées là sur le côté et tout, où il y a un garage là sur l'autoroute sur le côté là. Ah, ok, ouais. On est juste là. J'ai jamais vu une calvitie. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est bon, vas-y. On se pète, les gars. Attends, il t'a vraiment dit ça? Faut changer de ça. Bah ouais. Wesh, mais c'est trop facile. Non, il m'a dit les répercussions, faut que tu sois prêt. Hein. Ouais, mais dis-lui, au pire, il te coupera. Il m'a dit, tu fais ça à un chef de gang. Il m'a dit, faudra être prêt pour les répercussions. Qui t'a dit ça? Ouais, mais Attendez, il y a trois qui nous attend là. Il arrive. Où ça? Il arrive par l'autoroute. Attention, monsieur, en sortie de parking. Hein. Ta mère. Arrête. Il a dit ta mère à moi parce que je dis que sa meuf, elle avait des gros. Ouais, non, madame, il m'a traité de BDG parce que j'ai dit que demain ma femme, vous allez l'emmener se mettre bien, t'as vu? D'accord, j'ai pas de forme. Donc prendre soin de sa femme le jour de sa Valentin, c'est être un BDG, c'est ça? Non, mais les gars, madame, vous en pensez quoi là au volant? PSG Bayern ou aller date sa meuf? Non, c'est pas sa meuf, sa femme. Et toi, tu vas date ta meuf au champ, toi? T'es pas ma meuf, cousin, c'est ma femme, c'est ma brave fils de. Il va date sa meuf au flunch! Mais toi, t'as connu ta meuf à travers un jeu vidéo? Bah non, c'est faux. Après, en soi, c'est toujours mieux que Burger Shot, j'ai envie de vous dire. Allô? Ouais, la vie de ma mère, écoute, la vie de ma mère, quand tu t'es gros yeux une fois. Faites attention, Attends. Tu disais? Il y a les gars Ghost Dog, là, ils sont à la frontière, il y a l'autre fils de Mike, là, il a pris les airs. Qui, Mike? Ah, ouais, avec nous. Ah, ouais, il a niqué votre caisse? Ouais, il a niqué. T'inquiète, je suis en train de courir et on s'est caché un peu, mais. Vas-y, on va t'apposer, exact, on arrive. On va t'apposer. Mais par contre, là, c'est mort, Golding, non? Ah, oui, je sais pas, mais on va t'apposer, t'inquiète, on va. On va vous récupérer. Mais on est deux, hein? Oui, t'inquiète. Non, c'était pas moi. L'Ardoro ou l'Ardon, là. Très belle lunette, en tout cas, très belle. Et bonne soirée. Bonne soirée, ma belle, les gars. Vas-y, ma mère, on aurait dû faire du business avec Ghost Dog. Tu fais chier, toi. Je viens de m'appeler, il vient de m'appeler. Attends, les gars, écoutez, s'il vous plaît, silence. Fermez vos gueules avant que je vous b**e maintenant. Vous savez que parler comme ça c'était bien. Non, en bref, attends, ralentis. Ralentis s'il te plaît. Il y a Ghost Dog à la frontière. Et Mike qui était avec Troy, parce qu'il vient de m'appeler Troy. Il m'a dit Ghost Dog à la frontière avec ses gars. Il m'a dit qu'il. Mike. Mike, Mike, il vient de prendre des airs. Tourne à gauche ici s'il te plaît, tourne à gauche. Il m'a dit Mike, il a pris les airs, ils sont à pied, il faut les récupérer en voiture là. Il est au fond. Tourne à gauche. Mais on va les porter. Vas-y, hein. Les gars, oui. Ah, si tu veux, moi je voulais voir Golding. T'as... Oui, mais on va y aller quand même, mais on les laisse pas là, tu vois. Stop. Pas un kit de crochetage. Oh, recule. Ils sont là derrière. Il est là. Vas-y, on vous porte. Heureusement, mon frère. Tu sais qu'il y avait les gars à Ghost Dog. Hein. T'inquiète. Et il y a Ghost Dog lui-même à la frontière. Personne peut passer. Attends. Mais on fait comment pour passer? On peut passer normal, non? On peut pas. Rien, on peut pas. Pourquoi? C'est Ghost Dog, ils ont rien contre moi, nous. Je vais parler à Golding. Mais comment ça, Ghost Dog, ils ont un contre? Attends, j'ai une question. Je viens d'appeler le mec. Ils vous ont dit de faire demi-tour? Non, ouais, il y a les airs partout, frère. Et alors, on s'arrête devant les airs, on lui dit retirer, on veut passer. La frontière est fermée, les gars. Oui, mais ça fait 10 minutes. Oui, mais nous, Golding, il nous. Appelle Golding, dis-lui, on est là. Mais par contre, les gars, il nous fait une deuxième chop là, ça fait chauffer. Ils sont où les airs? Là, devant toi. Attends. Ils sont là, ils sont là quand même. Regarde, la voiture en face, on est passé à droite. Attends, arrête-toi. Parce que t'es flic, non? Descends. Ah ouais? Bah ouais, il y a des. Regarde là, va tout droit et tu. Attends, Mike,
Monsieur, il y a des herses ou pas là? On peut passer? Bah non, regardez, il y a pas de panneau. Mais non, doit. Donc il y a pas d'herses. Il y a pas d'herses. Pourquoi tout à l'heure il y avait des herses? Parce que tout à l'heure il y avait des herses. Ah bah voilà, il y en a plus. Mais c'est n'importe quoi. Ok, bien vu, roule. Mettez-moi un peu plus d'argent, à tout. Et quoi? Il parle de la femme à Bishop, la femme à Bishop. Non, il m'a dit. Ah bon, en fait, j'ai peur que Ghost Dog a pris à Golding. Le foot sera toujours là pour nous. Bah, si ton équipe est le père, je pense pas qu'elle sera là. Hein. C'est quoi cette. Mais non! Monsieur Gold Gold! Monsieur Gold? Ouais, Gold Gold, moi j'appelle Gold. Il m'appelle Oui, je l'appelle Gold Dog. Gold Gold. Ça va ou quoi, chef? Ouais, ça va, Ouais, ça va, bien. Ouais, ça va, super bien. C'est un gars, c'est chez vous, ça? Ouais, c'est un gars. Et vous êtes sur votre garde tout le temps? Oui. Bonsoir. On est sur la garde jusqu'à ce qu'on ne se rappelle. Ah, parce que vous êtes quand même chez vous, donc vous devez vous sentir. Très belle. You are crazy. Je peux comprendre, le petit Mimi, il avait besoin de travail, c'est ça? Vous avez besoin de travail, des pommes? Ouais, je touche une sacrée gueule de. Je suis désolé de vous le dire, mais j'ai l'impression d'avoir une brochette de trisomite de mort. Monsieur, attends, vous avez peut-être une AK-47 dans les mains, mais je vous permets pas. Par contre, je vous le dis. Non, mais chef, on en parle de la. On en parle de la moustache du dictateur. C'est un contre son corps, là, quand même. Non, mais la moustache de dictateur. On semblait un russe, si vous voulez. Hitler, un mélange de Hitler et Staline, je dirais. La vie de ma mère. Je suis pas d'accord avec moi, là, Craig. Si, je suis laid, il faut le dire, mais vous êtes laid aussi. Non, j'ai voulu, il est moche. Mais moi, t'as vu, tu mets soin. Ferme ta gueule. Ah, je suis plus beau que toi, après. Ouais, merci, c'est vrai. Calmez-vous, c'est l'enfant bicraveur de bisous au milieu, c'est vrai. Bicraveur de bisous? Oui, c'est ça. Ah bon? Je sais pas, pour rien, les guides. Ouais, on s'éloigne du sujet. Pas question de passionné, c'est bien au moins, il aime sa meuf et il tient à elle. On leur montre le panneau. Eh ouais, mademoiselle Naya, on est d'accord, non? Y'a pas de panneau là? Et nous, le panneau? Ok, ok. Je suis sûr qu'il a verrouillé. C'est le mec. Oh, le rire de. Oh là là. J'ai peur, j'aurais la même. Hein. Ça coûte combien ça sur ma chaise? Hop. Ah, y'a ma chaise, je l'ai oublié. Oh, bah, hop. Ah, bah, tu l'as. C'est un bon billet ça. C'est un bon billet, oui, certainement. Ouais. Bon! On va faire comme à l'école, vous allez mettre deux par deux dans les rangs, s'il vous plaît, je vais vous présenter le cours d'aujourd'hui, les enfants. Oula, les fautes d'autographe, okay. J'ai mal le. Moi, j'aime bien. Je les aime bêtes et disciplinées, d'accord? Okay. On a un chien. Ok. Ça marche, monsieur. Là, sur des personnes hautement recherchées dans le Nord. On a monsieur Olivier Freeman, Edward Payer et Owen Rodolphe, d'accord? Les prix sont indiqués, 250 000 pour les deux extrémités et la cerise sur le gâteau, le gouverneur de. Monsieur? Pour une totalité de 1 million de dollars. Oui, qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Sans votre respect, c'est qui a décidé? Parce que j'arrive pas trop bien à savoir les croquis. On voit qu'il a une crotte de nez. Les photos sont pas à son nom. Stan. Okay. Reviens derrière, je te mets une patate un peu. Donc, j'ai une petite question, monsieur. Comment, ben. si on n'a pas la photo des deux énergumènes comme Olivier Freeman et Owen Rodolphe, comment on les reconnaît? Vous avez même pas une photo, rien du tout. Sortez-vous les doigts du. Vous avez quand même, deux noms. Mis à part ces trois individus, nous recherchons le DOJ, autrement dit le département de la justice du Sud, d'accord? 1 million quand même pour le Elliot Meyers. Attendez, est-ce que pour un procureur, c'est combien un procureur là? Un procureur, c'est combien? C'est 50 000, non? Ok, bah écoutez, vous en avez un tout à l'heure. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Vous parlez qui de monsieur Tony Foster? Je sais pas, c'est un ancien avocat qui est passé procureur, c'est mon ancien avocat. Je le connais très bien. Du coup, je vais vous dire une chose. Vous en ramenez 4 d'un seul coup, vous avez les 4 primes et un bonus, une AKU. Ouais, mais 4 d'un coup, c'est... On va pas se mentir, c'est après, on est pas le polo. Eh chef, on n'est pas les Avengers. Oui, les Power Rangers, là. En tout cas, je préfère vous le dire, il y a des groupes qui ont beaucoup plus de couilles que vous, j'ai l'impression. Non mais on n'a pas dit qu'on voudrait pas. Juste c'est bonne chance pour trouver les 4 en même temps quoi. Après on va pas vous rendre du rêve. Vous savez, sur un coup de poker, vous en chopez 4 d'un coup, ça peut arriver aussi. Ok, c'est cool, mais comme qui là? Tu fais allusion à qui quand tu dis plus grosse coupe que nous? Déjà, vous êtes pas les seuls, vous allez tous vous croiser, ça va être très marrant. Ah ouais, carrément. Ah vous êtes donné. Ah ok, la mission elle est pas exclusive à nous. Oh non, malheureusement. Ok. Ben... Bon, vous voyez, les sommes sont indiquées quand même, hein, ça va de soi. Hein, bon, on va prendre. Que... Ben, tu sais quoi, je vais quand même prendre en photo. Allez-y. Prends que celle du milieu, parce que les deux autres. Ouais, j'ai tout pris. Super. Après, monsieur Golding, vous avez en face de vous. Ok,
Ça va, Goldie, messieurs. Oui. Un pur plaisir. Et okay, question, écoute, rien à voir avec tout ça. Qu'est-ce qu'il y a, Willouche? Pour les petites pilules que vous m'en avez parlé, vous m'avez parlé là, c'est comment? Quelle pilule? Je sais pas, vous m'avez dit en ce moment, si tu utilises un petit truc, ça marche vraiment bien, bien. Oui, comme un Viagra, exactement. Oui, c'est, je produis du Camia Viagra, étant donné que je tire la fistinière à Paletto. Non. Mmh. Ok, bon, on va se rebiper, on va se rebiper pour ça. Ouais. D'accord. Mais pas tous les deux en mode, on va les utiliser tous les deux pour nous deux, vous avez compris. On va se rebiper pour. Vous avez compris. Ouais, non, mais moi je suis pas dans ça. Non, mais c'est bon, la première fois, moi aussi, j'étais un peu sceptique et dubitatif, mais une fois que ça rentre, c'est fini, après tu prends goût. Ah non, ça me dégoûte. Non. Écoutez, moi je suis pas de ce bord-là, je suis pas Jérém Star, je suis pas les trucs là. Après, moi j'ai aucun problème avec eux. Hein. Moi, tant qu'ils viennent pas se permettre dans mes chaussettes. Non, je vous demande, tant qu'ils viennent pas se permettre dans mes chaussettes. Menteur. Mais. Golding, je savais pas que vous étiez dans ça. Déjà, je vous ai vu mater un petit peu mon petit tarpé là. Après, t'as arrêté. J'ai fait un peu de squat. Il a dit un petit. Ouais, j'ai fait un peu de squat là, j'ai fait un petit peu de squat. Il a un gros cul. Ouais, j'ai un bon petit bombé, je vous ai vu le mater. Hein? Ouais. Mais bon, on n'est pas dans ça, nous. Nous, c'est les pops. On aime que les. Je ne forcerai jamais quelqu'un à prendre un point dans le cul, chez le lève. Non, bah c'est. La personne sera consentante et tu le seras un jour ou l'autre, oui. Non, Non. Bon, du coup, c'est bon, il y a rien d'autre à ajouter. Pour ça, on est bon. Les trois là, des personnes du DOJ, juges, un procureur, des conneries comme ça. Draco, si on vous ramène d'accord. 4 juges, procureurs, est-ce qu'on a quand même une AKU? Ah oui, c'est justement le but du maxi format. Ça. Ah, ok, mais c'est intéressant comme ça. C'est pas forcément que les trois là sur le truc. Non. Ça concerne le DOJ. Attends, mettons, vous nous ramenez trois personnes du DOJ plus Monsieur Draco, ça compte pour 4. Ah, ouais, il a dit idéologie. J'ai écrit idéologie. Vous avez... Idéologie. Okay, trois pizzas achetées, une offerte. C'est bon, on va s'en occuper. C'est un peu le même principe. Oh, bah, merci, monsieur. Super, merci, chef. Merci beaucoup. On va retourner dessus. On s'attrape.